Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer le business model qui m'a donc permis à gagner 121,28 € PayPal. Avant de démarrer la présentation du business model, je vous demande d'effectuer donc deux tâches. La première, c'est d'aller dans la barre de description de cette vidéo et vous rejoignez donc notre chaîne Telegram sur laquelle nous parlons de business. Ne manquez pas de rejoindre massivement notre chaîne Telegram. La deuxième tâche que je vous demande d'effectuer, c'est de vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Alors avec ce business model, vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent avant de le démarrer. Tout ce dont vous devrez investir, c'est votre temps et votre énergie avec un peu de connaissances pour démarrer donc ce business. Je vous montre donc mes preuves de paiement avec ce business model, ok? Je viens donc ici, ensuite activité, je viens toutes mes transactions. Alors ici, cette page récapitule donc mes paiements du mois passé, le mois de janvier. Vous allez remarquer que le 30 janvier 2020, j'ai reçu des paiements. Ok, alors je vais défiler comme ça pour que vous essayez de voir. Vous allez donc remarquer paiement. J'ai été donc payé par ce site. Regardez, Jombies. Ok, et voilà les paiements. Ok, voilà les paiements. 23,66 €, 36,52 €, 48 €, 12 €. Ok, voilà donc les paiements que j'ai donc reçus juste avec le site Jombies. Ok. C'est juste pour vous rassurer que le business model fonctionne si vous vous y tenez vraiment. J'ai donc reçu ces paiements à travers donc ce site. Voilà donc le premier site, ascaraffiliate.com. C'est à travers ce site que j'exerce donc le business. Alors vous vous rendez donc sur le site ascaraffiliate.com. Je vais donc mettre le lien du site dans la barre de description. Vous vous rendez donc sur le site et vous vous créez un compte, ok? Après avoir créé votre compte, vous vous connectez. Ok, moi je vais me connecter. Voilà mon back office du site. Et vous allez donc remarquer qu'à l'heure actuelle, j'ai 112 RM que je n'ai pas encore effectué le retrait, ok? Vous allez donc voir le montant total que j'ai encaissé avec ce business-ci. Ok, voilà donc les paiements que je reçois sur le site. Ok, voilà les paiements, 30 RM, 41 RM, 41 RM, ainsi de suite. Ok, alors à quoi consiste exactement le business? Il s'agit donc du marketing d'affiliation. Le site a à sa disposition des logiciels de marketing. Ok, on vient donc ici, je vais donc vous présenter ces logiciels là. Vous venez sur Marketing Kite, cliquez là dessus. Alors une fois sur la page Marketing Kit, vous avez donc en tête l'idée de votre lien d'affiliation et le mien est 2433. Ok, alors quand vous défilez un tout petit peu, vous allez donc voir ces différents logiciels. Ok, voilà ces logiciels. Ok, voilà donc ces logiciels, et chaque logiciel vendu, vous touchez donc une commission, et les commissions évoluent de 25% à 50% sur chaque produit vendu. Ok, alors une fois sur la page Marketing Kit, la toute première des choses, c'est de traduire la page en français, et cette page est en Malaisie. Ok, vous venez donc sur Google Traduction ici. Vous cliquez donc sur les trois petits points. Et vous venez vous cliquer, la page n'est pas en anglais. Ok. Vous sélectionnez donc la langue, c'est la Malaisie. Voilà, Malaise ici. Vous cliquez là-dessus. Et cette fois-ci, voilà, la page est donc traduite en français. Ok, alors voilà donc les différents logiciels que vous pouvez donc vendre et toucher des commissions. Certainement que vous allez vous poser cette question, comment donc je vais réussir à vendre ces logiciels? Il faut noter que ce sont des logiciels qui apportent un grand complémentarité dans le business en ligne. Et toutes les personnes qui exercent leur activité sur internet, ces personnes ont forcément besoin de ce logiciel là, parce que à travers ces logiciels là, ces personnes vont donc automatiser leur business en ligne. Prenons par exemple avec le premier logiciel qui est JombFB.
automatisation Facebook. Ok, alors avec ce logiciel, voilà un peu le descriptif. On dit vous souhaitez automatiser votre activité sur Facebook. Ce logiciel vous aidera à gérer vos ventes sur Facebook en pilote automatique. Ok, alors aujourd'hui, la majorité des personnes qui exercent leur activité sur Facebook, ces personnes effectuent les actions de façon manuelle. Or, avec ce logiciel là, ces personnes peuvent donc automatiser tout et ils ne font absolument rien. C'est le logiciel qui s'en charge de façon automatique. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'encaisser de l'argent sur chaque vente effectuée. En bref, avec ces logiciels-là, il y a une forte demande sur le marché. Il suffit simplement de cibler les personnes qui sont dans le business en ligne et vous aurez un maximum de personnes qui vont s'intéresser à ce logiciel-ci. Une deuxième chose, ne vous inquiétez pas, je vais donc vous montrer les endroits où vous devrez donc faire la promotion de ces différents logiciels et avoir du trafic sur votre lien d'affiliation, ok? Alors, bien avant de vous présenter les endroits où vous devrez faire la promotion de ces logiciels-là et avoir du trafic sur votre lien d'affiliation, j'aimerais donc vous présenter le site secondaire de ce site-ci. Alors, le second site, je vous le présente très rapidement. Le second site, c'est Jombies. Et bien voilà, rejoindre l'affiliation Jombies. Alors voilà donc le deuxième site sur lequel je fais également de l'affiliation. Jombies, si vous vous rendez bien compte, c'est ce site qui m'a donc versé tous les montants que j'ai donc reçus du premier site et au deuxième site. Ok, le premier site était Askar Affiliate et le deuxième site c'est Jombies Academy. Ces deux sites sont donc liés. Et sur le site également, ils ont des logiciels que vous pouvez donc faire la promotion et toucher également des commissions. Ok. Et quand vous venez sur ce site également, vous avez donc votre lien d'affiliation ici, okay, que vous pouvez donc utiliser pour faire la promotion de la boutique complète. Ok, voilà donc des logiciels ici. Voilà des logiciels. Voilà des logiciels. Voilà, 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 voilà. Ok, alors maintenant je vous montre où vous allez donc faire la promotion de ces logiciels là. Ok, alors le premier endroit c'est sur Pinterest, ok, sur Pinterest. Pinterest, c'est un endroit pour faire de la promotion de ces logiciels. Il y a plus de 10 millions de personnes qui visitent Pinterest chaque jour, ok. Et avec Pinterest, c'est simple, c'est gratuit d'ailleurs. Vous venez sur Pinterest, vous créez un compte très rapidement. Après avoir créé votre compte, vous allez donc dans votre compte, ok, et vous cliquez donc sur le bouton plus. Ensuite, vous cliquez sur épingler. Ok. Après avoir cliqué sur le bouton épingler, ça vous redirige donc dans votre galerie. Et dans votre galerie, vous devrez donc avoir l'image du logiciel en question que vous voulez donc vendre. Ok. Je vais juste prendre un exemple. Une image. Je prends donc cette image. Ok. Vous cliquez donc sur le bouton suivant. Ok. Voilà donc l'image qui a été ajoutée. Supposons que c'est l'image du logiciel qu'on veut vendre. Vous ajoutez donc le titre du logiciel. Le titre c'est Jombies FB. C'était le titre du logiciel. Et automatisation Facebook. Automatisation Facebook. Ok. Voilà. Maintenant, on nous demande la description. Ok, on nous demande d'ajouter une description. C'est simple, c'est copier-coller quoi. Vous revenez sur le site en question. Vous revenez sur le site ici. On demande la description. On vient donc copier la description du logiciel en question ici. Vous copiez la description. Ok, vous copiez. Vous revenez donc sur Pinterest. Vous collez la description. Coller. Voilà. Ok. Alors, après avoir collé la description, dans la case suivante, on vous demande d'ajouter le site web. Tu vois ici. Site web de destination. Ok. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez donc sur le bouton ajouter. Vous cliquez sur le bouton ajouter. Et ici, on vous demande d'ajouter le site web de destination. Vous faites copier-coller. Vous retournez ici. Vous copiez donc votre lien d'affiliation. Voilà, vous copiez. Vous revenez sur Pinterest.
vous collez. Ok? Vous collez. C'est bien. Après avoir effectué tout ça, vous cliquez donc sur le bouton suivant. Ok? Et vous choisissez donc un tableau. Bien avant cela, vous devrez donc vous créer des tableaux pour ajouter donc l'épingle dans les tableaux. Ok, alors pour Pinterest, vous avez des vidéos explicatives sur YouTube. Vous allez vous rechercher des vidéos, vous essayez de comprendre très vite comment fonctionne Pinterest. Ok, vous ajoutez donc dans un tableau et c'est fini. La publication a été enregistrée. Ok, et après ça, ma publication va apparaître également dans l'accueil comme ceci. Ma publication va apparaître dans l'accueil comme ceci. Ok. Et là, du coup, quand une personne voit ma publication, quand elle clique là-dessus, et elle vient cliquer donc sur visiter, elle vient cliquer donc sur visiter ici. Quand elle clique là-dessus, ça va donc la rediriger sur la page de vente du logiciel. Et cette personne, une fois acheté le logiciel, moi, je touche une commission. Alors, le premier endroit, c'était donc Pinterest. Le deuxième endroit, c'est Quora. Ok, c'est Quora. C'est un forum très 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 intéressant et il y a beaucoup beaucoup de trafic là-dessus. Alors vous venez sur Quora, vous pouvez donc télécharger l'application si vous utilisez un Android, ou vous allez directement sur le site Quora. Alors vous créez un compte très rapidement, c'est un forum. Alors une fois sur le forum Quora, vous venez juste dans la barre de recherche. Ok, vu qu'on veut faire la promotion de Facebook automatisation, vous venez donc vous rechercher comment. C'est un exemple, comment faire de la pub sur Facebook. Vous pouvez également rechercher comment faire de la pub automatisée sur Facebook. Ça, c'est juste un exemple. Alors, je vais donc prendre cette question-ci. Comment faire des pubs ciblées avec Facebook? Voilà des questions que plusieurs personnes se posent. Moi, je clique là-dessus. Ok, voilà donc un élément de réponse qu'une personne a donné, Matt. Alors moi également, je viens répondre à cette question parce que c'est une personne qui a posé cette question. Moi également, je viens répondre à cette question en proposant maintenant cette personne le logiciel-ci qui est Facebook Automatisation. Je viens maintenant le proposer dans ma réponse, ce logiciel-ci. Ok, avec le descriptif. Ok, je reviens sur Quora. Ok. Maintenant, vous cliquez sur le bouton répondre pour aller répondre à cette personne. Ok, là du coup, cette personne verra votre réponse. Si elle est intéressée, elle passe donc par votre lien pour aller acheter le logiciel. Ok, et en dehors de cette personne, il y a d'autres également qui viendront rechercher réponse à cette question. Et plusieurs personnes vont venir cliquer sur votre lien et aller acheter le logiciel. Et ce sont des actions que vous faites une fois et c'est fini. Vous êtes là simplement, vous touchez des commissions comme ça. Le troisième endroit pour faire de la promotion de ces logiciels, les amis, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook. Très, très intéressant avec Facebook. Alors, si vous avez un compte Facebook, c'est bien. Alors, vous allez donc filtrer tous les groupes de business en ligne. Ok, vous allez donc rejoindre tous les groupes de business en ligne. Ok, après avoir rejoint tous ces groupes-là, vous allez donc faire la promotion de votre logiciel. Ok, alors pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec Facebook, je vous conseille donc d'aller visualiser ma vidéo YouTube que j'ai faite là-dessus. J'avais déjà fait une vidéo YouTube là-dessus, comment monter le business de A à Z avec Facebook. Voilà donc cette vidéo, c'est la vidéo comme ça ici. Avec ce système, je génère 5760 francs CFA. Ok, voilà donc le système ici. Vous pouvez donc suivre le système ici. Et ici, dans ce système, j'ai bien expliqué comment faire la promotion de façon automatisée. Ok, ne manquez pas de voir cette vidéo également. Ok, alors les amis, voilà donc le business model. Ok, alors cette vidéo elle va donc prendre fin ici. On se dit donc ciao pour une autre nouvelle vidéo.